Mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour. Alors, comme vous voyez à l'écran, j'ai acheté la PlayStation classique. Vous voyez pas très bien parce que je vous filme avec mon téléphone portable. Donc, ça y est, tous en ce moment, il y a une baisse assez conséquente de la console. Hein. Moi, je pense à tous ceux qui l'ont acheté Day One à 99 euros et qui l'ont maintenant dans le cul. Donc, la console, la PlayStation classique, coûte maintenant 29,99. Vous pouvez la trouver un petit peu partout dans tous les magasins. Moi, je l'ai vu à Géant, à Auchan, à Leclerc, et je me suis décidé à la prendre à Micromania parce qu'il y avait une offre qui est quand même assez ridicule mais qui est sympa. Donc, il vous offre une figurine Totaku, donc qui est une exclusivité Micromania Zing, donc il y en a plusieurs. Et dans ce choix, vous avez le chevalier d'Artorias de Dark Souls, donc le chevalier d'Artorias. Un personnage que j'adore, un boss épique, mythique de Dark Souls dans le DLC. Vous le combattez dans l'arène, il est hyper puissant, il est hyper stylé. Ouais, c'est vraiment un boss qui est cool, quoi, Artorias. Son armure est super classe, vous la retrouvez dans Dark Souls 2, il me semble. Ceci, il me semble qu'elle y est dans Dark Souls 2 et également dans Dark Souls 3. Mais ce qui est bizarre dans Dark Souls 3, je crois qu'elle est un peu plus large. Ça fait pas le même effet. Bref, Artoria, c'est un chevalier qui est terrible. Et du coup, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Parce que j'y suis allé tout à l'heure. Et je vais à Micromania et je demande est-ce qu'ils ont toujours des PlayStation classiques à 29,99 avec la figurine, donc l'offre que j'ai vue sur Internet. Elle me dit oui, j'ai ça en stock. Donc c'était Nana. Et je lui dis, mais par contre, j'ai une figurine bien particulière. Je veux le chevalier d'Artorias de Dark Souls. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, comment? Le chevalier d'Artorias de Bark Souls? Je fais, oui, c'est ça, Bark Souls. Dark Bark Souls. Enfin, je me moque un petit peu. Bon, t'es pas censé connaître tous les jeux, hein, c'est sûr. Hein. Bon, surtout pour cette nana-là, je pense pas qu'elle a joué à Dark Souls, c'est clair et net. Puis il y avait son collègue, donc c'était un mec à côté. Je pense que lui aussi, hein, il était pas, il connaissait Dark Souls, mais je pense pas qu'il a joué à Dark Souls, c'est certain. Donc du coup, le mec, il se rattrape. Si, il y a des chevaliers d'Artorias de Dark Souls. Donc il va sur les rayons. Et oui, il en restait trois. Donc trois figurines du chevalier d'Artorias de Dark Souls. Donc je l'ai récupéré une qui est juste là. Donc vous voyez qu'ils ont baissé les prix, 9,99. Bon, je trouve que ça va, pour le pack 29,99, c'est cool. Même si ce produit-là, il ne me sert strictement à rien. Hein. Mais bon, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Avec toutes les critiques qu'il y a eu sur cette console, je sais très bien que ce n'est pas un produit qui est super bon. De plus, j'ai une PlayStation 2 qui permet de jouer au jeu PlayStation 1. J'ai une PlayStation 3 qui permet de jouer au jeu PlayStation 1. J'ai une Xbox première génération qui émule quasiment à la perfection la PlayStation 1. J'ai un PC qui peut émuler la PlayStation 1. J'ai même une PlayStation 1 craquée du slip qui permet de lire des ISO PlayStation 1. Donc j'ai quasiment tout, quoi, tu vois. J'ai vraiment quasiment tout. Mais tu vois, je suis pas, tu vois, pour 29,90, je me dis, bon, ça passe. C'est pas trop cher. C'est moins cher qu'un Raspberry Pi. C'est aussi cher que les produits chinois que vous trouvez sur le net, hein, sur tous les sites Wish, AliExpress. Et plein d'autres. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais l'acheter, je vais la garder, je vais peut-être la brancher et je joue un petit peu quand même. Et puis surtout, je vais la hacker avec, c'est hyper simple, vraiment, le hackage de cette console. Bon, du coup, pour le coup, j'ai ressorti quand même ma PlayStation 1 qui est juste là. Vous voyez rien du tout. En plus, celle-là, c'est vraiment une PlayStation. Enfin, je l'ai vraiment. Comment vous expliquer cela? Je l'ai dopé à donf, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un modèle que je garde, hein, je ne vais pas la vendre. Donc PlayStation 1, avec une carte mémoire officielle, avec l'accent replay qui permet de jouer aux ISO PlayStation 1. J'ai le câble officiel RGB PlayStation 1. Et j'ai des manettes infrarouges pour cette PlayStation 1. Donc c'est vraiment la PlayStation parfaite pour moi. Avec son boîtier infrarouge qui est là. Alors ce truc-là, il fonctionne plutôt pas mal. Hein. Il faut pas être trop loin parce que sinon ça capte pas bien. Donc la console, souvent, je la pose, voilà, par exemple, si je la branche, je la mets juste là et puis je joue avec. Hein. Mais sinon, ça marche très bien. Hein.
Voilà. Donc là, c'est la PlayStation parfaite pour moi. La PlayStation 1 parfaite. Et en plus de ça, donc c'est une première série. Celle-ci, c'est une première série avec les sorties RCA. Voilà, donc tu peux brancher ça sur n'importe quelle télé, sur n'importe quel moniteur qui possède donc des entrées RCA. Voilà, c'est pour ça que celle-là, je la garde précieusement. Cette première série qui fonctionne très bien parce que je l'ai testée, je l'ai nettoyée, j'ai tout fait avec. Donc c'est vraiment très très bonne PlayStation. Donc pour finir, je vais quand même déballer la PlayStation classique. Donc 6 mois après sa sortie quand même. Hein. C'est comme un... Cette console, c'est comme un... Comment ça s'appelle? C'est comme un jeu triple A qui est sorti genre il y a 6 mois. Donc il coûtait 70 euros. Et puis qui à la fin, il coûte plus de 10 euros quoi. Contrairement aux consoles de chez... Comment on appelle ça? De chez Nintendo qui ne baissent pas hein, en termes de prix. Hein. C'est ouf quand même. Hein. Allez, on va regarder la qualité pour voir à quoi ça ressemble. Hein. Je vais la brancher après pour vous montrer aussi quand même. C'est le principe d'une console, hein. Il faut l'acheter. Quand vous achetez une console, c'est pas pour la garder au chaud. Enfin moi, c'est mon point de vue. Chacun son point de vue. C'est pour y jouer quand même un petit peu, quoi. C'est le principe. Putain, mais il y a quand même une boîte dans la boîte. Oh là 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 là, c'est fou. Ils ont mis 4 boîtes, quoi, tu vois. Ah d'accord, allez. Ouais. Elle est quand même assez petite. Alors toutes les consoles mini, hein, je m'en fous un petit peu, parce que ça coûte trop cher. Encore une fois, pour 30 euros, je dis oui, hein, mais 70 euros, 60 euros pour la NES mini ou la SNES mini, non, ils sont fous, quoi, je vais pas acheter ça. Mais 30 euros, ouais, ça peut être sympa, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment tout petit, regardez. C'est vraiment tout petit. J'ai presque envie de vous dire ça fait le même bruit que la vraie PlayStation, mais bon. On va déballer ça. Non, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Et puis je vais juste regarder les manettes et puis je m'arrêterai. Non, non, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa, c'est hyper léger. Hein. Et enfin. Donc je vais pas vous faire le blabla, machin, il y a manuel, machin, on s'en fout quoi, tu vois. Je vais juste regarder un petit peu les manettes. Je crois qu'il y a deux manettes, hein, si je me trompe pas. Comment tu fais pour ouvrir cette merde? Peut-être sur les côtés, là, j'en sais rien. Ah ouais, c'est ça. Ah, ils ont mis un système assez chelou. Ok, donc les manettes, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai lu qu'on pouvait brancher ça sur un PC, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais vous montrer si ça fonctionne ou pas sur le PC. Non, la manette, c'est bon, elle est cool. Ouais, la manette, elle est cool. Ouais, ça fait comme, vraiment comme une vraie manette PlayStation 1. Donc elle est là. On va le brancher tout de suite sur le PC. Et on va voir si ça détecte automatiquement. Du coup, ça fait quand même deux manettes pour le PC, quoi. C'est cool, ça. Ah, si. Il a détecté. Va juste voir dans les périphériques. Alors, vous voyez rien, hein, mais c'est pas très grave. Hein. Je vais peut-être juste faire une sorte de socle. Poser mon téléphone sur la télé. Ouais, en plus je vous filme ça avec le téléphone. J'avais la flemme de charger mon appareil photo numérique, de sortir la GoPro aussi. Bon, c'est bon, on s'en fout. Hein. Alors, est-ce que la manette a été détectée? On va aller dans le panneau de configuration. Contrôleur, c'est où? Gestionnaire périphérique. Je crois que c'est ça qu'il faut cliquer dessus. Hein. Si je me trompe pas, non, c'est pas ça du tout. Ah, quoique, si, je peux le voir comme ça. Je peux le voir comme ça.
contrôleur de bus USB. Non, ça n'a strictement rien à voir. Périphérique Xbox 360, ouais, c'est bon. Ouais, d'accord. Ah, je le vois pas là. Je ne le vois pas. Donc, on va aller dans. Est-ce qu'il y a toujours le truc manette là? Ah, moi, je fonctionne à l'ancienne. Je suis encore sur Windows XP. Contrôleur de jeu, normalement, tu dois les voir là. Attendez. Sinon, tu fais un clic droit sur les ports USB. Voilà, ouvrir périphérique et imprimante. Et un contrôleur. Voilà. Donc, il est là, le contrôleur. Contrôleur de jeu. C'est ça. Contrôleur de jeu. Donc, ça fonctionne. Ça détecte. C'est détecté automatiquement par Windows 10. Donc, tu peux jouer à tes jeux. Tes émulateurs, sauf que là j'en ai pas, j'ai peut-être RetroArch. Est-ce que j'ai RetroArch? Allez, hop. Mais je pense qu'il faut configurer la manette quand même. Je pense qu'il faut configurer la manette. Alors, il se lance RetroArch. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lancé. Donc là, je bouge avec la manette de la Xbox. Configuration, je pense que c'est ça. Je sais même pas ça. Je sais même plus comment il faut faire. Ah non, mais je sais plus comment il faut faire. Peut-être lancer un jeu. Attendez. Si je fais ça, voilà. Putain, normalement, il y a des. Ah, je sais plus comment faire. Bref, ça fonctionne. Audio, entrée, voilà, peut-être c'est entrée. Entrée utilisateur de. Hop, on va voir. Rétropad. Ça doit être ça là. Aucune. Contrôleur. Utilisateur de. Assigné. On va voir si ça fonctionne. B. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça marche. Hein. Il n'y a aucun problème, ça marche. O. Bas, gauche, droite, A, X, machin, tac, 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 ça marche. Ça marche. Donc oui, la manette fonctionne automatiquement, elle est détectée automatiquement sous Windows 10. Et donc tu peux jouer directement à tes jeux après une petite configuration de la manette. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais savoir. Donc ça me fait deux manettes en plus pour le PC. J'ai la console en plus, 29,90. J'ai aussi donc la figurine, le chevalier d'Artorias. Donc oui, moi je dirais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Même si honnêtement pour moi ça me sert strictement à rien. Après je sais que maintenant tu peux la hacker, tu peux mettre des jeux dedans. Encore une fois ça me sert strictement à rien, mais bon voilà le produit est assez sympa, il est tout petit, il est tout mini. C'est comme la SNES Mini machin. Pour 30 euros, je dis oui, je dis pas non. Contrairement à 100 euros, donc le prix de départ qui était quand même assez énorme, hein, 99,90 €. Franchement, voilà, mettre 99,90 € dans cette console, je pense que ça valait vraiment pas le coup. Mais pour 29 euros, oui, c'est sympa. Il y a une prise HDMI. J'ai même pas regardé s'ils fournissaient une prise HDMI. Est-ce qu'ils sont sympas? Oui, ils nous ont fourni une prise HDMI et ils nous ont fourni un câble USB sans adaptateur. Donc après moi j'en ai plein en stock, donc c'est les mêmes que vous utilisez pour les téléphones, donc ça va, j'en ai pas mal. Bah après si t'en as pas, bah tu peux le brancher sur le port USB de ton PC, hein. Je pense que ça doit fonctionner également sur les ports USB aussi de la télé. Je pense que l'alimentation suffit amplement. Voilà, sur ce je vais vous laisser, cette vidéo a déjà trop duré. Donc oui, l'offre se finit donc le 17 juin. Donc c'est lundi normalement. Après, vous n'aurez plus de figurines, vous aurez seulement la console à 29,90 €. Voilà, donc juste pour vous dire qu'ils cherchent à déstocker ça, mais très 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 rapidement, et que tout le monde s'en fout. Hein. Honnêtement, tous les jeunes qui passent dans le magasin Micromania, ils en ont rien à foutre de la PlayStation classique. C'est vraiment un truc pour les vieux, quoi, c'est tout. Tu vois, pour les vieux. Mais sinon, les jeunes, mais ils en ont strictement mais rien à foutre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao, ciao tout le monde.